Chers amis, je quitte mon écran pour vous inviter à regarder le vôtre. En fait, comme apparemment on préfère les vidéos à lire, eh bien, je voulais vous communiquer plusieurs choses à propos du Dianshan et aussi un petit service qui n'a rien à voir mais qui peut vous être très utile. En fait, on s'est rendu compte que de nombreux collaborateurs, de nombreux élèves, clients qui ont un site web dépensent énormément d'argent pour juste exister sur le réseau. Et ça me fait vraiment beaucoup de peine parce que on peut le faire facilement, gratuitement. Et je voudrais prendre quelques heures pour vous l'expliquer. C'est pas compliqué. Et juste pour avoir une page, vous pourrez aussi insérer des vidéos, des formulaires, un tas de choses. Et surtout la mettre à jour et la maintenir à jour. Vous-même, par vous-même, et sans le besoin d'être l'otage d'un informaticien qui vous prend une fortune pour chaque heure de modification. Donc, on fera un formulaire de questionnement, mais on ne sait pas comment le faire payer ou pas. C'est du boulot de préparation pour que ce soit structuré, pour que ce soit facile à comprendre. Peut-être qu'on fera un système de dons et vous donnerez ce que vous voulez pour nous aider et mettre un peu un nuage dans le café. Donc ça, c'est une des idées qui n'a rien à voir avec le Dianshan en lui-même, mais qui peut vous être très utile pour que notre communauté ne dépense pas de l'argent par manque de connaissances. Ensuite, vous avez dû recevoir le mail si vous étiez un des 30 gagnants de l'application. Ça aussi, c'est une nouvelle. Donc, ceux qui n'ont pas d'iPad, on attend que vous nous confirmiez que vous l'ayez reçu, parce que comme les codes périment, on préfère vous l'envoyer au moment où vous avez l'iPad, d'accord, pour que vous ayez le temps et pas de stress. Et ensuite aussi, on voudrait faire plus d'émissions en direct avec Hélène, avec Ivan aussi de Suisse. On a des thématiques, mais comme toujours, on n'aime pas parler pour ne rien dire, donc on les prépare, on est en train de les structurer, de faire un plan, rédiger. Bon, ce ne sera pas au prompteur puisqu'on sait de quoi on parle, mais au moins le faire sérieusement. Et donc c'est toujours très difficile de faire la différence entre un contenu gratuit ou payant, parce qu'en fait, tous les contenus demandent du travail et on les fait avec le même sérieux. Vous avez vu ceux qui ont déjà acheté des fascicules, que ça prend des heures de faire des choses pareilles. Parce que il y a de la documentation, il faut penser à toutes les situations, vous l'apporter de manière la plus pédagogique possible. Donc beaucoup de projets pour 2022, on ne sait pas de quoi ce sera fait. On essayera aussi d'organiser peut-être vers la fin de l'année un grand séminaire avec la formation formateur qui était prévue déjà avant ce confinement en pointillé. Tout ça pour vous souhaiter de très belles fêtes, sous des cocotiers ou, comme vous pouvez le voir, entouré de neige, si c'est ce qui vous plaît le plus. En tout cas, prenez soin de votre système immunitaire, faites bien les 12 massages, c'est important. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait plus à qui se fier, à qui se confier et qui croire. Donc l'important, c'est de ne pas paniquer, de ne pas stresser, de surtout ne pas se couper des liens sociaux. Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou vous rencontrer pour les raisons que ce soit, en tout cas, utilisez ces nouvelles technologies pour vous parler, faire des Skype, raconter vos soucis. C'est important, hein. Il n'y a pas que des solutions médicamenteuses ou des points et des formules. L'être humain est un des seuls animaux qui arrive à se soigner rien qu'en parlant. Donc, voilà. J'espère que ce petit message vous donnera de l'entrain, on fera des formulaires pour vous poser plein de questions. Un grand merci pour votre soutien et votre enthousiasme. Ciao !